Symbiosis est l'association des étudiants en biologie de Sorbonne Université. Elle a pour but d'accompagner les étudiants en biologie durant leur cursus universitaire, de la licence au doctorat, en créant notamment un réseau d'étudiants au sein de Sorbonne Université. Fondée en 1987, cela fait 33 ans que les membres de Symbiosis s'efforcent de redoubler de créativité et de motivation pour toujours proposer des projets innovants et ludiques à tous les étudiants. En plus de son réseau universitaire, Symbiosis est membre d'un réseau national grâce à sa fédération, la FNEB, qu'elle a cofondée en 1990. Ce vaste réseau d'étudiants lui permet de former des relations avec des associations sur tout le territoire français et ainsi fournir une aide supplémentaire aux étudiants. Symbiosis propose divers événements aux étudiants du campus. Les BAMOS sont des sorties culturelles et pédagogiques que nous organisons dans les musées, les zoos ou au sein des collections particulières de Sorbonne Université. Leur but est de permettre aux étudiants de découvrir des expositions ou lieux culturels en groupe accompagné d'un enseignant-chercheur. Le BOSS, ou Brunch des orientations scientifiques, est un salon d'orientation que nous organisons chaque année qui vise à mettre en relation des étudiants de licence, de master, des doctorants et des jeunes actifs, afin qu'ils puissent discuter des formations et débouchés professionnels. Nous organisons cet événement en partenariat avec d'autres associations de Sorbonne Université afin de couvrir un maximum de filières et de formations. Les petits déjeuners de Symbiosis sont des moments de partage et d'apprentissage qui visent à réunir les étudiants autour d'un thème et leur faire découvrir celui-ci à travers des animations. Enfin, nous organisons également des conférences qui permettent à tous les étudiants de découvrir ou redécouvrir un thème particulier. Ces dernières ont également pour but de transmettre de nouvelles connaissances aux étudiants qui leur seront utiles dans leur parcours professionnel. Une des missions principales de Symbiosis est de promouvoir la culture scientifique et celle-ci passe notamment par plusieurs projets de vulgarisation proposés durant l'année. Depuis un an, nous écrivons notre propre revue scientifique appelée Biosmose, entièrement rédigée par les membres de l'association. Chaque revue est gratuite, elle porte sur un thème et est composée de plusieurs articles de vulgarisation scientifique. Nous proposons également chaque semaine sur notre site internet des articles gratuits appelés Animal du jour, qui présente un animal original ou extraordinaire. Nous publions aussi durant le mois de décembre le biocalendrier de l'Avent. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, vous retrouverez un article de vulgarisation scientifique. Afin que les étudiants soient prêts lors de leur entrée universitaire, Symbiosis écrit et publie le guide de survie du biologiste. Il s'agit d'un guide rédigé par les membres de l'association, dans lequel les étudiants de biologie pourront retrouver toutes les informations sur l'université, qui leur seront essentielles pour bien réussir leur année. Par l'intermédiaire de sa fédération, Symbiosis propose aux étudiants le guide des métiers, un petit livret qui recense les débouchés professionnels de tous les secteurs scientifiques. Nous te soutenons dans tes études en te proposant du matériel de dissection à prix réduit et en te donnant des outils gratuits pour mieux réussir ton année, tels que des annales. Afin d'accompagner au mieux les étudiants durant leur cursus universitaire, Symbiosis peut dans un premier temps compter sur son vaste réseau national, mais surtout sur ses élus de l'UFR Sciences de la Vie. La plupart de ces élus sont également des membres de l'association qui se feront un plaisir de vous répondre et de vous aider durant l'année. N'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions. Toute l'équipe de Symbiosis est très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année. Notre association souhaite à tous les étudiants de Sorbonne Université une bonne rentrée et une belle année.